Salut, salut tout le monde! Ici Cassiope et Cindy. Cassiope la mielleuse et Cindy la chialeuse. Ben non, hein, je vous laisse vous connecter. Puis on va choisir tout ça. Pendant ce temps-là, je vais connecter mon frère. Tant qu'être pour une fois à mon affaire. Je viens dit pour une fois. Les filles qui regardent mes vidéos YouTube par la suite, là, il y en a un qui va être en train de loader. Lui, le défi de l'émistron est en train de se loader en ce moment. Je vais faire le live de jeudi tout de suite après ce live-là et dans le courant de la fin de semaine, peut-être demain ou samedi, je vais mettre l'autre. Voilà, salut Julie, salut Diane, salut Karine. J'enlève ma montre parce que j'aime ça vous demander c'est quoi le temps. Non, parce que ça m'énerve. D'un coup, j'ai plein de messages texto qui rentrent, mais vous allez trouver ça tannant. Fait que c'est pour ça que j'enlève mes crèmes. J'ai-tu déjà bronzé avec ma montre? C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, hey, y en a-tu qui sont à l'air clim en ce moment? J'espère pour vous que vous êtes à l'air climatisé parce que moi, je le suis pas. Mais en bas, dans ma salle de scrap, c'est quand même pas si pire, il fait plus chaud. Je vais chercher l'idée que j'ai peut-être pour ce soir et je vais vous offrir un choix. Soit que je continue cette page avec ce kit, cette page-là ou cette page-là, là, en tout cas. On pourrait même faire une page double parce que ça, c'était la couverture, fait que je pourrais soit finaliser comme ça. Le tout, Cassiope, est vraiment tenant. Soit que je fais ça. Attendez. Hey, pour une fois, mon fer est chaud. Soit que je continue ça. Bonsoir. Salut, Mélissa. Oui, l'air climatisé. Moi, Minette est toujours avec moi. By the way, celles qui veulent des nouvelles de mon élevage, je pense que mon n'était pas enceinte, finalement. Bref, elle est encore en isolement pour une semaine et demie. Si ça n'a pas fonctionné, je vais la remettre avec le petit homme. Mais c'est ça. Donc, voilà. Soit que je fais une page là-dedans. Salut Lorraine. Salut Joël. Hey, crème, c'est le fun. Je vais ennuyer de vous. Ou soit que je fais une affaire de même. Une cage à oiseaux. Un des deux. Mais ça, on va avoir du fun. Salut Pamélie. Salut Lorraine, Michel, salut! J'ai peur d'oublier les gens. Fait que, soit que vous votez page, ben page de, je sais pas comment l'appeler, album mini, mini-album, mini 6x12, ou soit que vous voulez une cage à poule. Non, non, une cage à oiseaux. Alors, répondez-moi, cage à oiseaux. Super! Je vous laisse encore voter, puis je vais à la date, j'ai deux votes pour la cage. On va-tu manger des ailes de poulet à cage? Puis, rendu là, après ça, il va falloir que je fasse voter quelle cage d'oiseaux, si c'est ça qui gagne. Mais là, à la date, 2, 3 cages à oiseaux. Caroline, t'étais mieux de choisir les oiseaux. Salut, Diane. Fait que Diane, c'est le temps de voter. Tu me demandais ce que je faisais. Salut, Chantalou! Cage, moi, je pensais être la cage. Hein? C'est rare que je fais ça. Salut, Lorraine. Ben non, je t'ai déjà dit salut. Bon, gang, y a personne qui veut ma page. Vous le trouvez là, mon album, quoi? C'est quoi votre problème? cage. Bon, ça va être la cage. Bon, c'est bon. Attendez, je fais juste m'attacher les cheveux, puis je vous fais choisir quelle cage. Ah, merci, Joanne, de m'encourager. Voilà, salut, Nicole. Bon. Donc, ben, ils sont rendus longs, mes cheveux, hein. Vous savez, avec mes produits que je prends super bon pour la santé, ben, j'ai les cheveux longs. Fait que là, le temps de les attacher, c'était plus long. Je tasse ceci, puis là, vous allez me répondre quelle? Gauche ou droite? 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 Désolée pour celles qui ont choisi page trop tard. Oh, ouais, c'est la gauche. Ben là, les filles, page par... Ah, vous êtes drôles! Page ou cage? Page ou cage? Non, c'est la cage qui a gagné, fait que c'est gauche ou droite? Gauche ou droite? Allez-y, je vais serrer ça. Je vais aller faire le compte dans pas long. Je cherche ça, mais je cherche ça pas loin, parce que, écoutez, c'est le bordel, ici. C'est le bordel. Alors, on a eu les mâles qui sont partis. Ouais, arrêtez de me dire page, ça va être cage. Gauche... À date, salut Audrey-Anne qui regardera jamais. À date, c'est gauche qui gagne. Droite, attendez. Ah, non, recommence pas, toi, mademoiselle.
Donc, voilà. Alors, page cage ronde, ça veut dire gauche 1, droite 1, droite 2, gauche 2, droite 3, gauche 4, gauche 5, gauche 6, gauche... Ouais, je sais, cache-page, ça vous mélange. Hein? Droite 4, droite 5, gauche 7, gauche 8, gauche 9. Ça va être gauche, hein? Bon, voilà. Là, je vous avertis, quand c'est des affaires de montage, je pogne les nerfs, hein? Mais je vais m'amuser. Je ne sais pas si je vais prendre la rustique ou je vais prendre quelque chose d'autre. On dirait que je suis rendue à Tombouctou, hein? Attendez, je cherche ma colle pour coller ça. Parce que quand ça bouge, je pogne les nerfs. Bon! Salut Maryse! Marie, je sais que tu as essayé de m'appeler, tu as dû accrocher le piton. Voilà, fait que quand on a une affaire de même, c'est comme un meuble Ikea. Fait que salut Marie-Claude! C'est vraiment trippant. Oups! Mais en même temps, ben, Mademoiselle Cindy a pogné l'air. Mais là, à date, là, je vois des numéros 2. Numéro 1, numéro 3, puis numéro 4. Fait que d'après moi, là, championne Cindy va y arriver. Ce sont toutes des numéros 2. Hein? Ah, ça a l'air simple, hein? Simple comme bonjour. Hey, arrêtez! Salut, Pierre! Arrêtez de vouloir que je pogne mes nerfs. La seule personne qui aime ça quand je pogne mes nerfs, c'est mon chum. Bon? Puis là, à date, les chats pognent mes nerfs derrière de moi en ce moment. Donc, voilà. Voilà. Salut, Brigitte! En fait, j'en ai... quand je commande chez Fabrica, j'en ai... Oh, oui, c'est à vendre. Il faudrait que je vous sorte le prix, je ne sais pas par cœur. Celle-là qui m'a demandé la commande Fabrica a commencé. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé leur nouvelle commande. Donc, Joanne, si tu veux, écris-moi en privé. Puis je vais t'envoyer le lien pour voir qu'est-ce que je peux commander chez Fabrica. Décolle. Mais oui, puis je t'enverrai le lien où c'est sur le site parce que c'est écrit en russe. Mais on peut changer la langue si c'est en anglais. Mais tu sais, vous pouvez voir les choses là, quand même assez rapidement. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire une cage. Je trouve ça beau quand le monde enfant. C'est ça. Je vous dis, les chats en arrière sont en train de sprinter, mes amis. Bon, je vous rappelle que ça, on jette pas ça, hein. On garde ça précieusement, on défait ça quand on a du temps, ce que je n'ai pas en ce moment. Puis, on fait de quoi avec ça? Je sais pas quoi. Bon, voilà. Fait que, bon, ok, merci. Maintenant, je cherchais ton live et j'ai... Ah, c'est bien correct, Maryse, mais je pouvais pas te répondre. Donc, ce que j'ai compris, là, ça, c'est la base. On met les petits trucs, ça, c'est le haut. Puis le petit bouton est par-dessus. Écoute, ça semble très simple, mais... Tam, ta-da-dam! Voici le moment où ce que je vais pogner les nerfs. Mais tu sais, ça a l'air pas si pire. Fait que là, je vous rappelle que quand on commande ça, on a tout le temps une petite colle qui vient avec. Salut Brigitte! Puis, les petites colles, on en a une quantité industrielle là-dedans. C'est des fois beaucoup trop. Oh, Seigneur, même pas bouché. Oh. Fait que là, OK, je suis trop joyeuse. Je m'excuse. En fait, j'ai pas à m'excuser d'être trop joyeuse. C'est assez le fun. Puis j'ai pris un café parce que sinon, on se dormait. aussi, moi, tu commandes... non, j'ai pas... Je commande pas Sagapo, mais je peux commander si vous voulez. Si Marjolaine t'aimerait, on peut regarder. Écris-moi en privé. Hein. C'est vraiment le meilleur truc parce que je relis vos commentaires. Par contre, c'est plus dur là, de tout suivre la donne. Là, je pense que l'idéal, ce serait de mettre les deux en même temps, comme ça. Ça l'aiderait. Là, savez-vous ce qu'il ne faut pas qu'il se passe? C'est que mes chats arrivent. Puis que là, ils défassent tout. si c'est comme d'autres créations, là, on ne va pas tout coller, mais bien en face de l'autre. C'est le moment, là. Je l'ai. C'est le moment, je pogne les nerfs. Maudite affaire. Ah non, à date, ça va. Hein? Voilà, fait que là, je vais aller faire les autres. Hey, facile, achetez-les la cage, ça va bien.
ça va bien. Puis d'habitude, là, c'est pas trop cher, le MDF là-bas. C'est sûr que c'est lourd. Fait que, là, vous savez, là, mettons que je commande une commande, tu sais, vous voyez les prix, là, Fabrica des Corues, puis là, vous dites, hey, c'est vraiment pas cher. J'ai pas le choix, un, le taux de change US, puis, oups, le taux de change US et le shipping est astronomique. Donc, astronomique, je veux dire, mettons là, que j'achèterais pour 400 $ US, ben ça me coûte 200 $ de shipping plus 400 $ US switché. Fait que on s'entend que même les boutiques, là, j'ai vu, tu sais, moi, je paye pas de local ou quoi que ce soit, mais les boutiques qui le commandent, là, ça se peut qu'ils soient un petit peu plus chers ou que les taxes. Fait que, tu sais, vous êtes quand même chanceuse d'avoir un bon rabais parce que c'est quand même... quand même dispendieux. Puis, tu sais, moi, je fais pas ça pour faire de l'argent. Hein. Je fais ça pour être heureuse. Vous le savez. Pas avec ça que je veux faire de l'argent. Savez-vous, c'est avec quoi? Avec... avec mon chum. On va le vendre. Est-ce que la colle en séchant... Non, elle reste transparente, mais on va tout peinturer de toute manière. Fait que là, c'est pas... moi, ça me dérange pas qu'il y ait des motons qui soient là. Entendez-vous Son qui veut venir nous rejoindre? Son étant mon mâle bengale. Mais là, c'est ça. Il est tannant, il est tannant. Fabrica des Corues, oui, je commande bientôt, Brigitte. Ouais. Je commande bientôt, puis, tu sais, écrivez-moi un message privé puis pour que je vous envoie le lien si vous ne l'avez pas ou je peux le repartager, là. Ça va me faire plaisir. Hey, ça, c'est le fun, cette histoire-là. C'est moi ou j'en ai trop? C'est comme un meuble Ikea. Ça disait qu'il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là-dedans... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, mais clairement, il y a un bug. Ils en ont trop mis. Fait que si vous voulez faire une porte à votre cage, commandez celle-là. Ou sinon, si vous pognez les nerfs puis vous le brisez, ben c'est ça. Fait que j'ai des morceaux de trop. C'est comme quand t'achètes un même Ikea, finalement. Hein? Ah, c'est drôle! Ah, c'est drôle. Fait que là, dans le fond, c'est sûr que c'est pas... je pensais que ça serait difficile, mais c'est vraiment pas dur. Moi, je vais tout assembler. Puis comme j'expliquais dans ma boîte que j'ai faite, quand on assemble du MDF pour celles qui ont déjà fait le calendrier de l'Avent avec moi, quand je l'avais donné à la boutique hors du... pas à la boutique hors du scrapbooking, à la boutique à Beauport, le Bulle en tête, ben écoute, j'avais peinturé avant de mettre le MDF, puis ça avait pas été un franc succès. Ça avait tout jamais. Fait que là, je vais le laisser un peu sécher. Je vais aller chercher mes... ça, j'étais pas ça, là. Regardez comment c'est un beau... ouais, ça se peut. Au cas t'en casses une. C'est une bonne idée, achetez-les. Peut-être qu'ils l'ont changé, parce que je sais que la boss m'avait écrit sur un modèle que j'avais acheté, qu'il y avait une erreur. Je sais pas si c'est celui-là. Mais bon, bref, ça... vous jetez pas ça, hein? Non, 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 non. Écoute, tu parles d'un beau rond. Écoute, je peux vous parler une demi-heure du rond. Fait que là, c'est sûr que c'est moins beau de cette façon-là, mais je veux juste l'assembler de façon droite pour que ça tienne un peu. Puis après ça, on va tout peinturer, fait que je vais le mettre là. Je le laisse sécher. Je mets mes bâtonnets de côté. Puis on va choisir des couleurs. Des couleurs. Là, j'hésite. Est-ce que je fais ça de façon rouille ou je fais ça de façon laiteuse? Je vous fais voter. Voulez-vous la peinture? Salut Francine, salut Alexandra. Est-ce que je veux la peinture? Sérieux, les chats, ils me font capoter dans l'air, les entendez-vous? Je fais-tu comme rustique, granuleux, ou je fais velours comme laiteux? Alors, voici le vote. Tout, 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 tout. Pendant sa sèche, je vous fais voter. Tout, 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 tout. Rouille pour Diane. Un. Laiteuse. Bon, écoute, là, ça, c'est des dangers quand je fais des votes, puis je perds le nord. Rusty, super, on est à 2-1. 3-1. Faut pas trop que je parle. Métallique. Non, non, c'est pas dans les choix, Emily. 4-1 pour la rouille. Laiteuse. 4-2.
5 pour 2. Je sais compter encore, c'est bon. 6 pour 2. 3. 6 pour 3. 7 pour 3. 7 pour 4. 7 pour 5. Oh, oh, ça s'en vient serré. 7 pour 6. Tout le monde a voté? Je n'ai-tu encore qui veulent voter? Mais là, votez pas deux fois, vous allez me gourer, là. Hein? Je pense que tout le monde a voté. Alors, ça sera la rouille. Oh, non, laiteuse. 7 pour 7. Qui nous fait le point de match? Rouille pour Nicole. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut voter? Non, non, là, c'est rendu rouille. Rouille. Marc-Claude, t'avais-tu voté bleu? Marc-Claude, elle avait-tu voté? Moi, j'ai du fun, là, tout seul. Là, à date, c'est Rouille qui gagne. Émilie, c'est Rouille. Ça veut dire que c'est Rouille qui gagne. Fait que là, Rouille, Rouille, Rouille. Bon, c'est bon. Rouille a gagné. Lucie, trop tard. Trop tard. Ouais, de toute manière, Rouille, ça a été 3 contre 1. Fait que là, vous voulez Rouille, mais bleu. Il me semble, la dernière fois, j'ai pris de la Rouille bleue. On va les regarder. Je vais y mettre de ce sens-là, comme ça. Ça va m'aider à faire mon choix. Hey, sérieux, ça? Je sais pas si vous le savez, c'est pas ça qui va tenir le plus fort si j'arrête pas. Non, Cassiopée veut mettre son nez. Fait que là, je suis en train d'y virer de bord pour voir la couleur. J'ai l'impression d'être à Décor ta vie. Je les ai toutes, hein? Il y en a 30, 30 couleurs. Voyons, j'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc. Fait que là, c'est pas les velours. Voilà. Bon brun, bon brun. Salut! Salut Lise! Non, pas bleu. Le brun, le brun, le brun. Là, je regarde tout ça. C'est sûr que vert, j'en fais pas souvent, puis vous me le demandez. Lui, il est limite bleu, là. Vous allez chialer si je prends lui. Mettons vert et brun. Tu sais, si j'élimine lui, on est-tu plus dans le beige et brun? Vert menthe. C'est les produits Fabrica Décorus. C'est de la... ouais, ça va être vert. Ça va être vert. Tadam! Je vous surprends, hein? Bon, pas rouge, c'est sûr. Ça va être trop rouille. Pas bleu. Je pleure, je pleure. Je n'ai pas de bleu dans ma création. C'est de la fausse pleure, hein, gang? Vous avez compris? Mon humour. Bon, noir non plus. Ouais, vert et orange. Ouf, tu nous feras voter. Sors un papier pour vous noter si tu arriveras jamais à tenir le compte. En fait, Chantal, c'est sûr, il faut mais que tu viennes, reviennes chez nous, là, un jour, quand ça va être ouvert. Mais en fait, vous avez le droit de venir chez nous. Moi, je suis massothérapeute, fait semblant. non, je mettrai pas de fleurs bleues avec ça. Bon, c'est sûr que ça va être cet hiver-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est notre projet principal. Fait que là, je vais les revirer. Non, je vais attendre. Est-ce que je suis plus beige ou brun? Je pense que ça serait plus beau, ça. Fait qu'on élimine les gris. Ah non, je vous fais pas voter, là. Je vous fais part de mon... Hey, ça va-tu faire lettre une fleur bleue avec ça? Non, non, non. Bon, fait que là, si j'y vais avec... Si j'enlève ça, ça serait beau en crème. Mais si j'y mets une petite touche d'orange, je suis pas sûre. Non. Bon, voilà. Peut-être que ça sera une fleur jaune. On verra. On verra, on verra, on verra. Je vais les revirer. Mon chum, il passe. Faites attention. L'entendez-vous? Il me semble qu'il y a 30 couleurs. Puis, ils ont toutes, je lis. Ah, mais non. Oui, jaune. Non, pas de jaune. C'est-tu plate? Là, je vous mets du vert, là. Arrêtez de chialer. Donc, ça semble coller, à part celui-là que j'ai mis à la fin. Je vais pouvoir y aller de cette façon-là.
En dégradé, on commence tout le temps par le plus foncé. Puis après ça, on y va avec des couleurs terre. Fait que le plus foncé, c'est celui-ci. Celui-ci. Peut-être manquer le pinceau. Mais bon. Oui, j'ai-tu commandé les nouveaux papiers? Je pense que je les avais ajoutés dans ma commande. Parce que, tu sais, vu qu'il y avait un bug, là. Mais oui, il y a des nouveaux papiers. Oui, pour la fleur jaune, OK. Super. Oui, les papiers sont écœurants. Fait que je les ai commandés, mais j'ai commandé plein d'affaires à ajouter dans la boutique. Fait que peut-être qu'il y en aura. Voilà. Hey, ça paraît-tu que je prends jamais le vert? Fait que là, je commence par le plus foncé. Je vous le dis, j'étais endormie. Hein? Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai surveillé dehors. J'étais allée marcher dehors. Fait que j'étais brûlée. Je prends un café. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, Fabrica décoru, j'imagine que ça ne jambera plus dans la poste tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le goût de me trouver quelque chose pour brasser mes pots. On va prendre une petite baguette. Là. Tu sais, des baguettes de Dolorama, ça va faire la job. Je vais pouvoir l'essuyer après. Parce qu'à chaque fois que je prends le pinceau, il est trop plein après. Poudon, ça y est. Ces baguettes-là, là, pour celles qui ont des vrais oiseaux, là, je vais pogner une heure. Ouais. Pour celles qui ont des oiseaux, là, il y en a plein de sortes hein, au Dolorama. C'est vraiment trippant. Puis pour celles... Je te parle, là, Caroline. Pour celles qui ont les oiseaux. Ouais, mais à l'école, j'ai pas de masque. C'est au foyer que j'ai un masque. Puis au foyer, quand je sors à l'extérieur. En fait, je m'organise toujours pour être à 2 mètres des élèves. Donc, je suis correcte à l'extérieur. Là, puis j'ai un masque dans mes poches. Mais je l'ai jamais utilisé parce que les élèves sont quand même respectueux du 2 mètres. Puis c'est la seule place dehors qu'on peut respirer. Donc, au foyer, quand je vais marcher avec les filles, quand je vais... C'est beau, hein? Comme verbe. Quand je m'en vais me promener avec les filles, ben, je leur dis « Va-t'en à 2 mètres », puis là, je respire. mais effectivement, mais moi, je vous dirais là, que ce sera pas dehors. Le pire, c'est en masso, là. Je vais t'avoir beaucoup de plaisir à partir de lundi à masser avec une visière, un masque, puis... mais j'ai des masques en tissu. Je les ai testés, puis ils semblaient quand même bien respirer. On verra. Puis sinon, si je mets en asphyxie, mon salon de massage sera terminé. Bon. J'ai comme le goût de faire un dégradé foncé dans le bas. Puis, Pamélie, elle essaie de m'appeler, mais je peux pas te parler, Pamélie. Je sais pas si tu es encore sur le live. Celles qui sont là, Chantal, va dire à Pamélie que je peux pas. donc, c'est ça. Je vais prendre le bas. Et je vais y aller plus foncé pour aller faire un dégradé. Oups! Bon, ça y est, je suis déjà dans les dégâts. Je suis dans les dégâts. Ah! Alors, il y a 24 couleurs, gang. Il n'y en a pas 30. Je suis mêlée. C'est les métalliques, il y en a 30. Merci Julie de la précision. Je sais aussi que dans les rustis ou dans les laiteux, je pense, ou les métalliques, en tout cas de plus en plus, ils font des plus gros pots chez Fabrica. Donc c'est juste à me le dire là, quand on se parle pour la commande que vous voulez le plus gros pot si c'est une couleur là, que vous tripez. Tu sais, dans le turquoise est vraiment beau, là. Saviez-vous? Fait que si vous le voulez en plus gros pot, je pense qu'il existe maintenant. Il est un petit peu plus cher, mais c'est ça. Merci. Merci Chantal. Je sais pas si ça va pouvoir te répondre parce qu'il est en conversation. J'ai manqué un bout. Là. Je savais pas que j'avais une conversation Messenger qui allait popper. Fait que voilà. Donc. Fait que je sais pas si vous avez vu, mais ma coquinette de chien. A vu son chum et ça l'a fonctionné après mes conseils. Non, c'est pas vrai. On dirait qu'il le faisait pas quand j'étais là. Mon chum, il est brillé, crampé. À chaque fois que j'ai passé, je sais pas combien de temps, ils ont regardé en disant « ça va se faire, tu sais, laisse-toi discrète. » Merci, Chantal. Sois gentille.
Sois discrète avec tes animaux. Il faisait absolument rien. Mais en fait, c'est qu'elle était pas prête. Puis là, à un moment donné, j'ai travaillé une soirée. Fait que j'ai dit à mon chum, mets-les dans le garage, puis sois là, puis reste tranquille. Fait que là, mon chum, il les a mis dans le garage. Il est allé faire un numéro 2. Puis, ils en ont... Tu sais, c'est important que je parle de son numéro 2. Puis, ils en ont profité, les petits maudits, durant ce temps-là, pour faire connaissance plus en profondeur. Écoute, mon chum et mes animaux avaient besoin d'intimité. Donc, c'est ça. Salut, Amélie. Puis moi, je travaillais. Fait que là, mon chum, il m'a envoyé des photos pour me dire... oui, il m'a envoyé une photo, je pense, des deux tannants en train de faire ça. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que j'ai peine à me dire avec mes amis que, clairement, mes animaux, ils aiment pas ça faire ça devant moi. C'est ça. Oui, ils ont copulé deux fois, ma belle Chantal. Deux fois, puis une fois, j'étais occupée avec une personne. Je dirais pas, là, mais j'ai pratiqué un massage avant le 1er juin. Parce que mon ami était raqué. Fait que je l'ai dit. Peut-être que mon association va me fermer. Cet ami-là, c'est le chum de ma collègue avec qui je travaille tous les jours. Fait que j'étais pas stressée. Fait que j'ai fait un massage, fait que durant ce temps-là, ils l'ont peut-être fait, mais moi, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus, à part un matin quand c'est mon chum qui s'en est occupé. Fait que là, à date, ils l'ont fait deux fois. Puis, peut-être trois, durant que je faisais un massage. Donc, voilà. Fait que vous pouvez appeler mon association, dire que j'ai fait un massage. Hey, c'est vert en tabarouette, hein? Si vous aviez mal au cœur, là, c'est pas pour vous aider. Certains, parce que, oh, Boba, et que c'est pas ma couleur préférée. Blouh. Ah, vous dans les 24 couleurs, c'est pas ma couleur préférée. Bon, merci, Fred, d'avoir fait du bruit subtilement en arrière. Il faisait les litières. Hein? Pas merveilleux, cet homme-là. Si vous le voulez, là, pour une fin de semaine, je vous le prête. Vous allez être tranquille. Ouais, les inséparables, c'est ça. Hey, vert espoir. Oui, 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 oui. J'ai espoir que le vert foncé de même disparaisse. J'allais dire une niaiserie, mais je sais pas si un jour cette personne va écouter mes lives, fait que je vais faire attention. Mais Chantal, tu sauras que j'ai des pop-up qui apparaissent en même temps et tu sais pourquoi je veux pas parler. Mais bon. Ah. Tu vois sûrement les mêmes pop-up en même temps. bonheur. Fait que là, je fais le fond bien foncé parce que je me suis dit que j'allais faire ça foncé. Vous savez, la peinture rustique, là, il y a des motons, puis c'est ça le but, hein, que ça soit motonneux puis ça a l'air de la rouille. Fait que c'est pour ça que j'utilise un pinceau qui est quand même sec. Bon, voilà. Puis là, ça a quand même tenu. Ah, oh, pas tant. Voilà, je vais faire. D'habitude, je le fais pas quand je suis en train de faire le live, mais si ça fait comme le cadre que j'ai fait cette semaine, je le ferai pas. Fait que là, je vous fais ça de ce pot. Oui, c'est vrai que chez les oiseaux, ma chère Caroline, ça fait ça tout le temps. Mais écoute, moi, j'avais des chinchillas. Là, je parle vraiment d'accouplement animal. Hein. Les chinchillas s'auto-suffisaient devant moi. Un gars, un mâle chinchilla, c'est capable de se rendre et ils n'ont pas de vertèbres, dans le fond, au niveau du dos. Il y en a, mais ils sont très, très slack. Fait que là, ça se rend puis ça s'auto-suffit avec sa bouche. Fait que tout gars dans la nature aimerait être un chinchilla. Fait que oui, ceux-là, je les ai pas vus, mais d'habitude, j'ai vu beaucoup d'accouplements. Fait que ça doit être pas moi le problème, quand même. Hein? Fait que c'est ça. Fait que j'ai espoir. Et même là, je suis dans mon sous-sol, puis je suis du pinch. Êtes-vous à l'air clean? Vous m'avez dit oui, hein? J'espère, parce que... Sinon, apportez votre TV, faites-vous...
apporter ça sur un petit truc flottant. Allez dans la piscine, prenez-vous un petit gin. Puis écoutez-moi, ça va faire du bien de m'écouter dire des niaiseries sur l'accouplement animal. Bon, ben écoute, j'ai quasiment mal au cœur, mais c'est bientôt fini. Cette partie incroyable du vert. Vert, c'est la couleur du ciel. OK, c'est assez. Voilà. Hey, c'est dégueu, comment c'est pas beau. Moi, je n'aime pas. Mais bon. Voilà. On va sécher un petit peu, puis on va y aller avec l'autre couleur. Peut-être qu'ils sont gênés quand je suis là. C'est quand même... Ça a quand même tenu. Allégria! Bon, OK. Fait que là, ça, c'était le vert... Fait que là, on va y aller avec l'autre plus foncé. L'autre deuxième foncé. Fait qu'un dégradé, on y va vraiment de cette façon-là. Quand même long peinturer ça, mais si je l'avais peinturé avant, je suis pas sûre que ça aurait été une bonne idée. Il y a eu une bataille de chats. Vous savez, on a vérifié là, mes chatons Maine Coon et sur les deux, ça semble avoir fonctionné. Mais tu sais, est-ce que je parle trop vite comme j'ai trop parlé vite avec Moon? Ah, non, je serais pas gênée, Emily. Oups, j'ai-tu dit ça? Ça me stresserait pas, je pense pas. Je pense pas, j'ai pas vraiment de gêne dans la vie, c'est ça l'affaire. En tout cas, si j'en ai, vous me direz c'est quand, dans quel moment. Mais c'est très rare. Oh, j'ai peut-être besoin de mon... Ah non, j'allais dire j'ai peut-être besoin de mon chat, mais non, j'ai réussi. Donc, si vous entendez un petit bruit, c'est mon chum qui remplit les litières. T'sais, il a choisi ce moment à lui pour faire ça. Mais on dit merci. Hein? Merci, Fred. Toute la gang te remercie aussi. Ils sont combien? Vous êtes combien? 18. 18 qui m'entendent déblatérer des niaiseries sur la bataille de chat. Petite vache, laisse-nous tranquille. Je pars par où, moi, là? Hey, c'est vert longtemps, là. J'ai-tu vraiment fait ça, ce couleur-là, moi? Ben oui. En tout cas, mettons que je serais un oiseau, là, dans cette cage. J'aurais mal au cœur. Madame. Merci, Fred. Ils sont cute, hein? Il n'est pas jaseux. Vous savez, mon chum, il est frigoriste. Fait qu'en ce moment, les frigoristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les entretoits. À combien de degrés Celsius? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, il est brûlé. Il est brûlé dans le sens du terme. Il y a des coups de soleil à grandeur. Moi, les chats capotent souvent durant cette heure de la soirée. En fait, là, j'ai mis une barrière pour que les chiens arrêtent de venir en bas parce que, un, Hope, ma petite coqueur tannante bébé, ben, elle mangeait toutes mes affaires de scrap. Puis, ben, les chats, eux, ça leur permet, quand je barre la place aux chiens, ça leur permet de pouvoir venir en bas tranquille, mais ils sont pas vraiment tranquilles, là. Ils se battent. Fait que c'est ça qui se passe. Salut Nathalie! Voilà. Donc, hey, c'est hiver longtemps. J'ai-tu vraiment pris ça, moi? Tiens, je prends pas du jaune en plus. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. C'est ça, faut se dire, hein? Conditionnement positif, ça va être beau, ça va être beau. En séchant, il est un petit peu moins pire. J'en mettrai pas partout de ce verre-là.
Mais j'ai l'impression de faire un gazon. OK, gang. C'est sûr que je laisserai pas ça, ces deux verres-là. Pour vrai, là. Hein? Qui sait, dans la vie, veut verre de même? J'y vais vraiment pêle-mêle, là. Je veux juste faire un petit dégradé. J'en mets pas trop sur les roulettes parce qu'à un moment donné, vu que la peinture, elle a des petits grains, des petites graines. Bon, OK, je t'en fous à ce soir, hein? Accouplement familial, pas familial, mais bien animal. Je vous parle de petites graines. Bon, mais on est normal. Hey, c'est sûr que bleu, ça aurait été plus beau. Bah. Ah oui, à faire les litières. Ben, mon chum, il, ben, en fait, vu que j'étais enceinte, il est bien drillé. Il fait toutes les 9 litières, mais je l'aide des fois, mais souvent, il les fait. C'est vraiment un amour, mon chum. Donc, je vais y aller. Je vais sécher avant. Fait que, tu sais, comme j'étais enceinte, voyons. Comme j'étais enceinte, il les faisait tous. En tout cas. Tu sais, là, je mets tout vert. On va venir atténuer avec un petit peu de brun puis du beige. Puis ça va être parfait. On va mettre une coupe de petites fleurs. C'est sûr que je pourrais y mettre des oiseaux. J'en ai pas. 9, my God. Et écoute, Chantal, il n'aura pas 9, on en aura 13. J'ai assez hâte que le COVID finisse pour avoir mes russiennes. Ça se dit-tu, russiennes? Accouplement familial. Je vous parlais de mon accouplement. Je te dis. C'est celle-là hein, que je voulais prendre. Fait que là, on va y aller jusque-là. Puis après ça, le reste, l'autre. Attends un peu. Celle-là ou c'est celle-là? Celle-là. Ouais. Un petit peu. C'est ici le moment où je peigne les nerfs. Je pense que j'ai jamais utilisé cette peinture. Je sais pas pourquoi. Ouais, Fred, oui, c'est un amour. Mais je vous le prête, hein? Je vous le dis. J'ai des amis célibataires, hein? Chantal? Puis j'essaie d'y prêter à chaque semaine. Mais c'est moins pire depuis que j'ai recommencé à travailler. Mais tu sais, je sais pas si ça a fait ça vous, là, mais le COVID en cabané avec un... Tu sais, moi, je travaillais tout le temps, puis là, j'étais à la maison au début, puis je faisais rien. Alors, je capotais un petit tantinet. Je me disais, oh, bah boy. J'avais hâte que lui recommence à travailler, puis que moi, je recommence à travailler. Puis en plus, ben au début, moi, il fallait que je prenne ça relax, parce qu'on ne savait pas si je perdais le bébé. Fait que, écoutez... Il tournait dans la maison. Moi, j'étais là au bois. Je suis tout étourdie. Trop petit. Mon chum, je sais qu'il est trop petit. Il est juste parfait pour moi. Il est juste parfait. Bon. La morale de l'histoire avec mes pinceaux, là, c'est que je lave pas assez vite. Puis, il sèche de même. Vous savez, c'est quoi le truc qu'il faudrait que je fasse dans mes temps libres? Ce que j'ai pas. C'est de mettre de l'alcool. Du gel à l'alcool, mais présentement, là, sont en rupture de stock un peu partout. Non, je fais des blagues. Donc, c'est la solution à faire. Hey boy. Plus ça va, là, plus les verres sont... Blah. Trouvez-vous? Mélissa Dion! Je t'adore! As-tu vraiment dit ça? Je prête mon chum pour un accouplement amical. Pas sûr qu'il est d'accord. Non, il voudrait pas. Je le prête pour avoir des vacances. <C'est> pas... Oh, Mélissa, t'es adorable. Oh, c'était vraiment drôle. Bon, OK. Il y a beaucoup de monde qui ont quitté à ce moment-là. J'étais trop crampée. Je suis désolée. Vous pouvez revoir en diffusion et couper le son. Je vous invite à faire fast-forward pour plus écouter mes niaiseries.
C'est ça qui arrive quand mademoiselle Cindy prend du café. En tout cas, l'étape est longue. Hein? C'est de la peinture pour le moment. Mais vous voyez comment je fais mon dégradé vert malade. Il y en a beaucoup hein, qui ont... Lorsque je peins, je laisse un peu de savon dans mes pinceaux. Ah! Oui, c'est une bonne idée. Oui, Émilie, c'est une très bonne idée. Alors, suivez le conseil d'Émilie. Lorsque vous êtes en train de peinturer, mettez de l'eau savonneuse. Comme ça, ça l'aide. Bon. Émilie, t'as envie de me charger des frais de coaching? dans mes lives, à vous donner des trucs. Ah, peut-être. Ah, Mélissa. Ah oui, peut-être que ça a donné envie, mais ben honnêtement, moi, me faire parler d'accouplement animal, ça me donne pas envie. Fait que... De quoi? Ah, je dis ça, je dis rien, comme dirait mon amie Chantal. Bon, ben écoutons. On y va dans le vert malade. Il nous en reste une autre hein, couleur de vert. Vert, c'est la couleur du ciel. Vert, c'est la couleur malade. Cassiopée, elle aime ça, vous jaser, l'avez-vous entendu? Bon, Mélissa, oups, ne pas tasser avec votre pinceau, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de beige dans ces étapes parce que, écoute, si je laisse tout ça vert de même, là, vous le dis, je finis pas le live, j'ai mal au cœur. Donc, nous allons sécher et terminer avec le dernier verre. Ça va être quand même beau, par exemple. Là, il aurait fallu que je me trouve un oiseau hein, à pitcher là. Ah ouais? Alors, Émilie, arrête de dire tes trucs, c'est pas les mêmes que moi. Moi, je vais avec le plus foncé tout le temps. En copique aussi, ça disait plus pâle avant. Hein? C'est-tu ça, celles qui font des copiques? Mais moi, je faisais le contraire. Je faisais le plus foncé avant aussi. Oh, fait que tu vois, pas de perte de temps avec moi. C'est bing, bang, boum, boum, balam, boum, boum. C'est plus facile d'aller plus vite. Je prends-tu lui ou je prends lui? Je pense que je vais prendre le plus petit. Voilà. Alors, un autre couleur vert, vert mur d'hôpital. On se rapproche. On se rapproche. On va t'y brasser la cage, là aussi. On va brasser la cage de la peinture pour faire la cage. OK. C'était des blagues, hein, gang? Mais c'est pas nécessairement des bonnes blagues. La la la. Pensez-vous qu'après je vais être brûlée? Je vais aller me coucher? Peut-être. Peut-être. Vous savez que mon atelier est commandité par les serviettes humides de chez Costco? OK. C'est sûr que ça va. Voyez-vous bien pareil? Oui. Vert malade. En fait, tout est comme vert malade un petit peu, là. Mais ça se ressemble toutes les quatre tons de vert. Cassiopée, elle veut venir fouiner. Elle n'est pas malade avec le vert, pourtant. Pourtant, cette couleur est laite, Cassiopée. Viens pas, viens pas. C'est vraiment une fouine, hein? Pour moi, elle se dit, ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé de moi. Ça va, ministre des Observations? Cassiopée, est-ce que tu acceptes ce bricot? Je pense qu'elle dit oui. Bon.
a trouvé que c'était Lettre le Vert, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, effectivement. Ça aurait été drôle. Qui veut faire une cage vers malade? Mais tu sais, tous les projets que je fais, je vous invite à en faire, hein, puis à me montrer. Vous pouvez faire la même affaire que moi. Je vous donne tous les trucs là-dedans, là. Mes trucs infaillibles avec l'assistance d'Émilie. Et le bruitage de Open. Donc, voilà, je vais en mettre un peu. Pour vrai, là, mettons que j'aurais pas mangé, là, je pense que ça m'aurait coupé l'appétit. C'est une couleur qui coupe l'appétit, ça a de l'air, c'est le bleu. Ça donne soif. Salut, Julie! Je pense que je vais avoir vu du vin assez dans ma soirée. Celles qui n'ont pas mangé, bon appétit! On dirait que je fais une cage au Ninja Tortue. Voilà, séchons le tout. Et amusons-nous à... Ça sèche vraiment vite, par exemple, cette peinture. Et après, je vais m'amuser à mettre des couleurs. Fait que là, il y avait beige, beige, brun et brun. Fait qu'encore une fois, je vais y aller avec du plus foncé au plus pâle pour mêler Émilie. C'est plate, par exemple, on voit mal, mais si je la mets de même... Oh, avez-vous vu mon erreur de débutante que j'ai faite? La voyez-vous d'ici? Écoute, super beau vert, mais ça va être beau après, là. J'ai confiance. J'ai confiance, mais là... Je viens de voir tout ça. Je suis obligée de faire ça, là, parce qu'en penchant, on voit... On voit un peu le vert. Pas un peu, bien gros le vert. Fait que je vois. Ici, vert longtemps. C'était pas lui, il fallait que je mette là. Oups! Oups! Pas grave. En fil, c'est ça, on voit le fond, si j'aime pas ça. Mais Marjolaine, ça va être une belle création. Sinon, ben, celle qui tripe sur le vert, ben, vous allez être contente. Celle qui tripe moins sur le vert, ben, on s'amuse. Je sais pas, sécher un peu. Gros séchage, hein? Avez-vous vu? Pauvre Tisson, il s'ennuie. Il s'ennuie de ses blondes. Oui, je t'ai concentré, hein. C'est clair que celles qui me demandent des projets verts m'en demanderont plus jamais. Non, les filles, c'est de la transformation. C'est pour ça que je pars du plus foncé, puis j'y vais au plus pâle. Vous allez voir, là, ça va être magnifique. Bon! Avez-vous vu ça, tout le magnifique dégradé, même jusqu'en dessous? Il manque quelques places. Je me suis beurré les petites mains. Et quelle heure, gang? Qui tripe sur le vert? Je sais pas, il y en a beaucoup qui me demandent du vert.
Vous êtes peut-être pas là. Ouais, dites-moi qui tripe sur le verre. Même mon chat en arrière, il dit pas moi, pas moi. Merci. C'est quand même presque une heure que je peinture du verre. Vous allez sûrement m'haïr. Cassiopée, à 5 ans. Ah, c'est ça, s'aventurer dans le verre, la grande. Bon, OK. Je sèche. Il nous reste 40 minutes pour éliminer le plus de verre possible. Tadam! C'est encore vert. Bon, on y va avec le brun. Oh! J'ai déjà utilisé cette pâte. Et elle a mal séché. Fait qu'on n'aura pas que ce brun-là, mais ce que je vais faire pendant ma... Je vais aller mettre de l'eau pour voir comment il va réagir. Quand on dit que c'est des produits à l'eau, j'avais mal fermé le pot. Je vais le mettre là, on va voir comment il va réagir. Écoute, je le mets même près de la lumière. Ah, c'est vrai, une carte orange. Écoute, ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que j'aurais peut-être pas de brun foncé. Je vais avoir trois teintes brun, mais trois tons de brun. Ça va faire pareil, hein? La morale de cette histoire, Cindy, ferme bien tes pots quand tu les utilises. Puis ça va bien aller. Fait que là, je vais changer de bord de ma... J'allais dire de ma brochette. Hey, j'ai pas demandé qu'est-ce que vous avez mangé pour souper. Après ça, je vais vous dire ce que j'ai mangé. Parce que je fais attention à ce que je mange, fait que... Mon chum, il fait attention à moi. Il m'achète tout le temps des belles affaires. Pour vrai, je peux pas le vendre, hein, mon chum. Il, finalement, il est tellement extraordinaire. Il va me chercher des bons repas. Il me les fait. Il fait mes litières. Hein? Qu'est-ce que vous avez mangé pour souper? Je veux savoir. Je veux savoir pendant que je mets un petit peu de brun. Juste un petit peu. Oups, c'était pas séché. Ça se peut que ça soit lettre, hein, by the way, ce projet. Sinon, ben vous direz, bon, mais ben, on a eu du plaisir, mais c'était vraiment laid à soir, ce qu'elle fait. mais je mets du verre. Donc, des cubes de bœuf avec légumes, ça c'est bon. Tu pourras la repeindre, ben oui. Ça va faire comme toutes mes autres créations, ma belle Marjolaine. Go to the poubelle! Non, il y a mon album là, que j'ai fini avec vous la semaine passée, que j'ai pas jeté. C'est bon, ça. Fait que je mets quand même beaucoup de brun. Je vais quand même mettre beaucoup de... Caroline, penses-tu que tes oiseaux, ils aimeraient ça y aller dedans? Je sais pas, hein? Ah, ça, c'est bon! Bonne fête de soirée, Diane! C'est sûr que quand les lives, je décide de faire de la peinture, mais ben c'est plus long. En même temps, le dernier mardi n'était pas très long.
Pour certains, on est jeudi parce que c'est une pédago demain. Y en a-tu qui ont un petit verre de vino en m'écoutant puis en bricolant avec moi? Fait que ça m'étonne pas, mais ça que t'ailles manger des saucisses. Je dis ça. Oui, ça fitrait. Mais sur un inséparable, là, c'est plus beau que sur une cage, je trouve. Vous allez peut-être l'aimer après, là, ma cage. J'ai dit peut-être. Le but hein, des rouilles, c'est de superposer, de faire des mix de couleurs pour que ça ait de l'air rouillé. Ben, c'est ça qu'on fait. Puis, j'utilisais à peu près tous les pinceaux sur terre que j'ai dans mon atelier. Fait qu'à date, là, oui, ils sont vraiment beaux. Tes inséparables. À date, le, tu sais, quand je dis qu'on a juste à mettre de l'eau, mais je pense qu'il faudrait le mettre vraiment plus longtemps que un petit peu. Mais on va voir après tout ça. Je vais regarder. Donc, le beige. Ça, regardez, celle-là, je l'ai utilisé ça fait pas longtemps. Puis il est quand même resté beau. C'était vraiment que j'avais mal fermé le couvercle d'après moi. D'après moi. Donc, je cherche un petit pinceau, pas loin. Gros, petit, moyen. J'essaie de trouver des pinceaux qui sont plus raides. Parce que j'aime mieux utiliser la peinture. En fait, oui, tout... ouais, mais vert de même, c'est peut-être pas beau. Chantal, là, pour Marjoline, en fait, sur ma page, là... il y a toujours, là, si on descend rapidement, là, il y a tout le temps... les lives sont là. Sinon, ma chaîne YouTube, j'y mets toutes les lives. La plupart des fois, j'ai oublié d'enregistrer ça. Fait que c'est juste ça le bug. Mais sinon, sont toutes là. Mais moi, à date, en rajoutant du brun, là, je fais le mieux. Je vois... en dessous, nécessairement, tu sais, je vais y rajouter d'autres couleurs. J'ai pas le choix de faire la fin seule parce que sinon, vous allez trouver ça long. Mon album, j'ai pas tout fait en live, par exemple. J'en ai un peu qui a été fait en cours quand on avait le droit. Là, je suis en train de monter mes cours aussi. En attendant, j'ai fait des kits pour les gens. Mais les cours, dans le fond, ça s'en vient. J'espère qu'on pourra s'en redonner. Celle qui reste à Québec, ben c'est facile. Vous m'invitez. Je peux aller. Je sais que des fois, il y en a qui sont allergiques. Je peux aller en donner chez les gens ou sinon, les gens viennent chez moi pour suivre un cours. Mais il ne faut pas être allergique aux chats et aux chiens. Mais ça me fait plaisir. Pour celles qui ont été, qui ont déjà eu mes cours, vous savez comment j'aime ça. Donner des cours, être calme et posée. C'est des blagues. Fait qu'encore une fois, je suis en tapotement. Puis, je viens m'amuser dans le dégradé pour créer un lien. Ah, un autre chat se bat. Puis, vous avez deviné qu'avec l'autre beige, je vais faire la même affaire. Mais un petit peu plus haut. Pour vrai, une fleur jaune serait pas si belle. On va essayer, là.
Mais je pense que ce sera un peu de cisaille. Quelques fleurs et ce sera parfait. On aurait pu mettre du métal, peut-être. En même temps, elle est ronde. Voilà, j'ai perdu beaucoup de monde. C'est sûr qu'il est rendu plus tard. Mon chum, j'ai suggéré d'aller prendre un spa tantôt. Pensez-vous que c'est une bonne idée, un spa à cette température-là? Hey, je vais mourir. Je serai jamais capable de dormir. Puis demain, j'ai une rencontre super importante avec une partenaire d'affaires en or. Fait que, peux pas. Je peux pas dormir, faut que je sois top shape. C'est comme ça que vous faites vos peintures rustiques, vous autres, en tapotement avec des pinceaux secs, ou vous les faites pas, ou vous connaissiez pas cette technique-là. C'est la même affaire que les pâtes de Finabert, pas les pâtes, mais tu sais, les trios de Finabert, là, qu'elle utilise. Pour faire des effets rouilles. Mais c'est la même affaire, sauf que là, moi, je choisis mes couleurs puis je m'amuse avec. Il fait vraiment chaud. T'as-tu pris un spa, Joanne? Tu sais, comme là, la température a peut-être droppé un peu, fait que c'est une bonne idée. Mais sinon, oh, bah, bah, il fait chaud. T'as allumé, Lisa? T'es revenue? Fait que vous savez, je fais pas ça égal non plus. Il y a des bouts que j'en ai mis un peu, pas beaucoup. C'est ce qui fait que c'est beau ou pas. Et on y va à tâtons. À date, le vert, il a un petit peu disparu. Hein. En dessous, là, j'en mettrai pas tant, je pense. Pensez-vous que je m'en allais de même? Piscine, ah oui. C'est relaxant, c'est pas, oui, mais il fait chaud en tabarouette. Puis, c'est ça. Il y a des semaines aussi qu'on a moins le goût d'être dans le spa. Hein, les femmes, ben, ces semaines-là. Fait que, voilà. Je vais sécher un petit peu, puis après ça, je vais y aller avec un autre dégradé. Moi, à date, là, je trouve ça vraiment plus beau. Ça l'a atténué. Le fond, faudrait que je me trouve. Un oiseau empaillé. Tu sais, des fois, il y en a qui font des oiseaux en laine ou je sais pas quoi que j'aurais pu mettre. On va me trouver quelque chose après. Donc, encore une fois, je viens mélanger ma peinture. Celles-là qui prennent des lingettes humides, là, Costco, c'est le parfait deal. Ça revient moins cher. Même Cassiopée vous répond. Et je m'ennuie d'avoir ma piscine. Ma piscine, moi, elle a éclaté l'année passée. Puis là, je me suis dit, je passe un été sans piscine, voir qu'est-ce que je fais. Et là, cette année, ben, j'ai acheté des chats au lieu d'acheter une piscine. Là, avec la canicule qu'on a eue dernièrement, je me dis, oh, t'aurais peut-être dû acheter une piscine, mais là,
je vais m'acheter une piscine avec l'argent des chats. Peut-être avec des fleurs jaunes, mais là, je rajouterai pas d'autres couleurs. Marjolaine. Chez Costco, oui, en masse. Puis, c'est sûr que moi, avec mon élevage, des fois, je trouve ça quand même pratique aussi, des serviettes humides. Ça ramasse quand même assez rapidement un petit dégât de chat ou chien. Sylvie, elle voulait venir vous dire bonjour. Elle a décidé qu'elle voulait venir se mettre les pattes. Elle est capable de s'y mettre dans la peinture. Il faut que je la surveille. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, ça va plus vite quand on est sur le dessus. Vous êtes chanceux, j'avais un espace de moment plus calme. Oui, il m'a tout beurré. Oui, mais je vais peut-être essayer une fleur jaune, comme je disais. Peut-être que ça va être beau. Mais, bon, entendez-vous mon petit chien en haut, elle se gratte. Elle se gratte. Ouais. Mais ça m'a détendue, par exemple, trouvez-vous? Je suis plus zen. Je suis trop endormante. En tout cas, moi, la journée pédagogique de demain, je suis contente qu'elle arrive. Celle qui travaille avec les enfants puis scolaires qui m'écoutent, là, on est content des journées pédagogiques parce que là, comme là, je peux travailler de la maison demain. Mais je vous dirais bien que j'ai pas grand-chose à faire de la maison. Fait que là, c'est le fun. Mauve, je suis pas sûre, Mauve. Je vais voir. Je vais faire des essais. C'est sûr que ça ne sera pas de turquoise. Là, ce que j'aime pas, c'est que je suis... Ah, peut-être un... C'est que je sais pas que je vais mettre dans le milieu. Un chat. Aller trop vite. Mon chum est en train de poigner les nerfs en haut, après le chien. Hey, c'est vert puis beige longtemps. Bon, séchons ça. Je vais essayer de trouver un petit quelque chose. Il est quelle heure? Genre un orange brun. Peut-être. Regardez, même avec de l'eau. Ça va prendre un petit temps avant que ça remarche. Fait que je vais mettre le bouchon pour pas que Marie me dégoûte. Puis, je vais essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans qui serait beau. J'ai pas d'oiseau empaillé parce que ça serait magnifique. Un faux oiseau, là. J'en ai des petites fleurs jaunes. Ça peut faire beau, hein. Ça va être beau. De la cisaille. Bon, il était 40. Ah, je suis désolée. Ouais, de haut, hein? Mais... Je pourrais mettre de la lanterne, mais non, on va faire de quoi floral. J'ai comme ma petite idée. Ma petite idée, laissez-moi aller chercher des petites fleurs. Ah, peut-être ça. Parce que regardez, j'avais des... C'est un mauvais... Non, j'aime pas ça, le mot. Ça va être pas beau. Hey, ça va, le chien?
cheveux. Peut-être celle-là. J'essaie de regarder dans mes die-cuts qu'est-ce qui serait beau. Pas que j'en ai pas, mais hein. C'est orange. Non. J'aime mieux jaune. Puis il y a des petits oiseaux là-dedans. Je vais chercher des fleurs, comme j'avais dit. Ça va être magnifique. Vous allez voir. On va réussir à finir ça avant 21h. C'est juste que hein, je ne savais pas quelle sorte de fleurs on allait prendre. Et le chien, c'est à moi. J'en ai une coupe ici. Vous savez, là, je l'ai dit l'autre fois, mais Fabrica Décoru en fait des fleurs. Puis ils sont magnifiques. Fait que ça aussi, vous pouvez aller regarder. Puis j'en commande. Chercher une coupe de petites fleurs, debout, tout ça. Hein? Vous êtes encore là? Phew! J'ai regardé là-dedans dans les die-cuts si il n'y avait pas un petit oiseau qui serait intéressant. Puis sinon, peut-être les feuillages aussi. Il y a quand même du mauve, ce que je ne voulais pas. Si je vais avec les feuillages, non, l'oiseau, il est trop coloré. Je sais pas ce qui se passe avec mon chien, je suis désolée. Je suis pas dans le cadre, non, là. Vous voyez pas ce que je fais? Ah, ben oui, vous voyez. Je pensais que vous voyez pas. Fait que ce qui est mauve, j'aime pas ça tant que ça. Fait que là, je mets ça de côté, mais les feuillages sont beaux et les fleurs, même orange, ça peut faire beau. Fait que je me mets ça de côté pour voir qu'est-ce que je veux faire. C'est dans les côtes-là, hein? Comme je l'ai dit, je voulais mettre un oiseau, mais non. Fait que là, je vais m'amuser avec les fleurs, la cisaille et tout ça pour embellir le tout. Puis peut-être du métal ou peut-être pas. Est-ce que je mets du métal? Peut-être. Je suis en improvisation. Cassiopée, elle veut des trucs de métal. Bon, fait que je me suis sorti une coupe de patente de métal aussi. Ça va fitter. On y verra pour la suite. Voilà. Bon, vous êtes encore là. Il y en a une coupe qui ont quitté. Je suis désolée. De ma platitude. Mais en même temps, il est plus tard. Donc là, je suis vraiment en train de me faire un tapon. Je
Je pense que je vais utiliser l'autre colle. Êtes-vous encore là? Si vous êtes là, dites-moi coucou. Là, ça va peut-être être le reste avec la colle chaude. Je vais voir de la façon que ça se colle. Faites-moi des petits cœurs si vous êtes encore là. Si vous ne m'avez pas quitté. Parlez-moi. Besoin d'attention. Yep! Donc, je suis en train de me faire un petit... bon, j'aime ça, il y a des petits cœurs. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de me faire un petit chemin. La colle colle quand même bien, pour vrai. Fait que là, je vais m'amuser de l'autre bord. À en ajouter un peu. Ça fait... Ça va venir faire un effet vieillot qui va fitter avec la rouille. Mais j'en mettrai pas partout, partout, partout. Peut-être que je vais en mettre moins épais. Qui traverse. Fait que là. C'est quand même trippant à travailler de la ciseur. Ça n'a pas pris de temps que ça. Ça fait quand même... Ça se travaille quand même bien. Il y en a-tu qui en a, ça? Vous pouvez retrouver ça. Ça, c'est celle-là de Wild Orchid Craft que j'ai. Mais sinon, vous pouvez retrouver ça chez les fleuristes. Dollarama, il y en a aussi, hein? Puis c'est ça. J'essaie de faire coller... Je commence à la trouver belle. Vous autres? Commencez-vous à trouver ça beau? En tout cas. Je vais la mettre comme ça pour essayer que vous voyez ce que je fais. Quand j'ajoute du métal, moi, souvent, je suis moins patiente pour que ça colle. Donc, je m'amuse vraiment avec mon fusil à colle chaude. Je vais mettre mes embellissements de métal. Puis, après ça, je vais m'amuser avec mes petites fleurs. Je sais pas si je vais rajouter des die-cuts, sincèrement. Je pense que je vais avoir assez de fleurs pour que ça fasse beau. Sans trop. Sans trop en mettre. J'essaie d'y donner du mouvement. Je suis en train de me brûler. Tu sais, des fois, là, on veut se faire des fleurs, puis on a juste une petite fleur, on peut s'en fabriquer en ajoutant d'autres trucs.
Je veux pas trop me mettre les doigts là-dedans. Il y a plein de trous. Fait que là, je vais venir coller ça ici. Êtes-vous encore là? Je vois plus vos commentaires. Je vous ai-tu perdu? C'est trop plate. C'est-tu trop plate? Oh! En tout cas, c'est plate, me le direz. Moi, j'ai du fun, en tout cas. Voyons, j'accroche tout ça. Oui. Que j'y aille là. Non, j'ai même eu cela. Peut-être que je vois tout simplement plus vos commentaires, ou sinon, ben, c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas une cage qui pourrait mettre vraiment des oiseaux, hein? C'est de décoration. Vous avez compris. Donc. Ah! Là, je vois. OK, je suis là, je suis là. Je voyais pas vos messages, blablabla. Ma cisaille de Lorama, j'ai répondu, c'est pas si pire. Salut maman, mon chat fait ça à chaque fois. Bon, super. Hey, salut gang, salut Ginette, salut Nathalie. Désolée, j'avais pas pesé sur le piton pour avancer. Là, ça ici, ça m'énerve parce que j'ai comme surélevé, puis ça fait en sorte que c'est moins beau, mais regardez. Je vais aller tricher avec une petite fleur par en dessous pour que ça retienne le tout, pour que ça arrête de tomber. Une petite fleur brune. Bon, super. Fait que là, je vois. Merci. Finalement, c'est beau le vert, hein? Donc, je vais y aller vraiment là pour décorer de ce sens-là. Puis après ça, je vais finaliser l'autre bord. Il me reste un peu de métal, mais je vais m'amuser avec des fleurs aussi. Ouais, fait que finalement, je trouvais que je parlais tout seul. Je voyais plus vos commentaires, mais c'était juste qu'il fallait que je fasse des changements. Ceux-là, c'est les dernières fleurs que j'ai commandées, puis je les trouve vraiment belles. Je les ai mis dans mon cadre cette semaine, vous rappelez-vous? Ceux-là, c'est des fleurs avec du verre. T'sais, question de rajouter du verre là-dedans. Du petit jaune. Fait que finalement, c'était une bonne idée d'avoir du jaune là-dedans. Du jaune, du brun. J'aurais aimé ça, moi, être fleuriste, si ça avait été payant. Mais ça, ils ne sont pas si chers que ça. C'est sûr que c'est pas Fabrica qui les fabrique, fait qu'ils sont un petit peu plus chers. J'ai pas tant de rabais dessus, mais il faudrait que je vérifie quel prix ça donnerait. Là. Je pourrais regarder ça après. Ou celles qui sont intéressées avec des fleurs, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire. Puis, je vais regarder ça avec vous, ça va me faire plaisir. Tu sais, après, je m'en vais en montage vidéo. Celle-là, il sera peut-être pas tout de suite en montage vidéo. Parce que j'en ai deux autres à finir, mais il y en a un qui est déjà sur YouTube. Fait que ça veut dire que j'en ai un, deux. J'en ai deux à faire, mais celui-là, c'est peut-être pas le premier qui va être. Bon, en fait, c'est pas le premier, je vais faire l'autre en premier. Voilà, fait que moi, j'enlève les tiges, mais vous n'êtes pas obligés, ça.
Julie, t'es, si t'écoutes, là, je te mets du brun, là. Hein? Je te mets du brun. des fois aussi, il y en a qui achètent des fleurs sur soit AliExpress, Amazon. Puis ça ressemble un peu à ces genres de fleurs-là aussi, là. Fait que. Il y en a des fleurs polonaises. Donc. Je m'amuse vraiment à mettre plein d'affaires. C'est ça qui est beau dans les créations objets altérés. Quand on rajoute un peu de fleurs. Et c'est dur, par exemple, de vous mettre ça pour que vous voyez que ça soit beau. Pour que vous voyez partout, parce que c'est quand même 3D. Hein? Fait que, tu sais, je veux que ça soit beau, je veux que vous voyez, mais en même temps... Faut que je sois capable de voir l'effet de grandeur. Fait que là, j'ai vraiment mélangé plusieurs sortes de fleurs. Les Wild Orchid, les Fabrica. Vous savez, hein, les ciseaux Timon, ils coupent super bien le métal. Fait que là, je m'amuse. Celle-là aussi, je vais la couper. C'est toujours plus beau. Un petit peu plus coupé. Pour faire le montage. Fait que voilà, là je vois pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser en même temps. Mais tu sais, c'est vraiment là de s'amuser, faire des superpositions, rajouter des fleurs, rajouter des trucs pour faire un. Tu sais, ce que je veux faire, c'est faire un chemin. Puis après ça, de dos, parce que ça serait comme mon côté de main. Mais de dos, je vais essayer d'aller faire aussi un petit rappel pour que ce soit quand même beau. Pas que ça soit juste laide de ce bord-là. Fait que je vais essayer d'y en faire aussi de l'autre côté pour aller amener un beau jeu de floraison. Vous allez pouvoir m'appeler Floralie Jouvence pour celles qui sont à Québec. Mais non. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que ça coûte cher en fleurs, une création de même, mais c'est beau. Fait que dans ce temps-là, on est content, puis on voit pas trop. On voit pas trop le brun. Mon chum a de l'air à tourner en rond, là, à soir. Il descend, il monte. Je sais pas ce qu'il fait. Ça va-tu, Fred? Moi, ça va bien. T'avais-tu besoin d'attention? Non? Ah, il nourrit les animaux. Je vous le dis, la personne qui va avoir ce gars-là, c'est des... la personne, l'enfant qui va avoir ce gars-là comme papa, il va être chanceux, hein? Les fleurs jaunes, c'est de Fabrica. Oui, les seuls, ça, c'est Wild Orchid, mais les autres, c'est Fabrica. Les Wild Orchid, c'est ceux-là, je pense, puis ceux-là. Les autres, c'est quand même Fabrica. Je sais pas si tout se fait encore. Parce que... C'est ça. Mais c'est ça, puis... le reste... Mais dans le fond, là, si vous allez sur le site avant là, que je termine, là, si vous allez sur le site Fabrica, c'est dans décoration, puis c'est il y a des fleurs, mais ça... C'est ça. C'est dans ce moment-là. Faudrait que j'aie des plus petites mains. Non. Ceux-là, on va les mettre de l'autre côté, je crois. Mais je vais pouvoir y rajouter un petit... C'est quelque chose ici, là. Bon. Que
comme je disais, c'est un peu dur de faire tout ça. Puis ça se peut que je rajoute des petits... là, comme ça, vous voyez pas, hein, je le mets de même. Les formes métalliques, là, moi, je les achète sur AliExpress. Je pourrais regarder pour faire une commande. Mais tu sais, là, vous allez trouver que je commence à coûter cher en commande, non? Donc, c'est sûr que... ouais, c'est sûr, j'achète les trucs sur AliExpress, c'est de trouver les bons trucs, là. Voyons, les bons trucs, les bons noms, mais souvent, ça se trouve quand même assez facilement. Puis, on peut avoir... C'est dur d'avoir le bon angle pour vous le montrer sans mettre le... Oh non! Puis là, avec du cisaille. Je vais le mettre entre les deux, mais je vais le mettre ici. Puis, gars, je me cogne la tête dessus. Je vais le mettre ici. Ceux-là, je vais les ajouter à part. Désolée, ça coûte cher, ouais. J'ai une amie. Vicky, t'es-tu là? Vicky, là, trouve que mon amitié coûte cher. Mais bon, c'est pas mon amitié, c'est mes trucs que j'ai un peu partout à vendre qui fait en sorte que ça coûte cher, mais c'est pas mon amitié. Mon amitié, elle est gratuite. C'est juste que j'offre beaucoup de trucs pour des gens, puis... ça fait en sorte que ça peut coûter cher à la longue. Mais bon. Ah, je me suis brûlée. Je me suis brûlée. Là, j'ai pas le choix de le mettre de cette façon-là. Peut-être celle-là. Que je veux voir le fond du... qu'est-ce que ça fait pour un peu cacher mon erreur? J'arrête pas de me brûler pour vous. Je suis pas sympathique en faisant ça. Je me brûle. On pourrait le faire avec de la colle normale, mais... c'est plus long avant de coller. Ça fait moins beau. À date, voilà. Fait que là, j'ai comme un petit bout ici qui ferait beau. Puis là, on va aller voir de l'autre côté comment on finit ça parce que... tu sais, là, il y a un bel arrangement d'un bord, mais de l'autre, il faut que ça soit beau aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans toutefois le mettre trop... bon, et vous êtes rendu 10. J'ai été trop plate à écouter. Je suis désolée. J'en mets, mais pas du bon bord. Donc, celles qui sont là, c'est-tu encore correct? Êtes-vous tannée? C'est sûr que là, je mets des fleurs. Mais tantôt, c'est de la peinture, tu sais. Je vais me couper encore une coupe de fleurs. Pauvre petit son, hein? Ça. Celle-là est déjà prête. Oui, il y en a une. Puis une comme ça. Fait que oui, ça coûte cher de fleurs, mais vous en... je suis sûre que vous en avez en masse là, de la fleur à maison. Tu sais, ça permet de... une belle fleur verte.
Ça va être super. Puis là, je voulais pas le mettre tout sur le même bord, mais je vais en mettre un peu aussi. Pour être capable de faire tout ça. Super, Adam. J'avais accroché le son. Ah, il n'y avait plus de son, c'était sur mute. Ouais, je voyais plus vos commentaires à un moment donné. Fait que tu vois. Faux axe. Voilà. J'aimerais bien mettre ici comme ça. Là, j'ai pas le choix de le mettre de cette façon-là. Vous allez moins voir, mais moi, j'ai pas le choix. Pour camoufler le tout. Ça commence à être beau, hein? Fait que je pense pas que j'aille besoin de die-cut. Mais j'ai besoin de réhypothéquer. Pour vrai, hein? Ça fait beau, une cache. Mon verre, là, trouvez-vous qu'il est beau? Teinte, oui. Moi, je trouve ça drôle parce que ça donnait mal au cœur tantôt, mais finalement, on est content. Ça, j'ai quasiment le goût de reprendre une petite fleur jaune qui est super belle. Puis là, un petit peu de blanc. Tu sais, un bel oiseau, là, ça aurait été beau aussi. J'en avais pas. Mais ça peut faire super beau. Ouais. J'essaie de chercher quelque chose qui ferait beau, mais pas. Un autre comme ça. Mes créations? Ben, les gens du centre de personnes âgées diraient: ça va ramasser la poussière, jette-moi ça au vidange. En fait, j'avais déjà exposé dans un salon pour vendre mes œufs, puis ça avait quand même vendu bien. Fait que il y en a une couple que j'ai gardée, là, mais je garde pas toutes parce que c'est ça. À un moment donné, j'ai quand même juste une maison, puis ma maison est remplie de chats. Il est drôle, hein, quand il pogne les nerfs après les chiens derrière, trouvez-vous? Voyons. Attendez, je sais pas si c'est du fil de fusée à colle chaude ou du fil d'oiseau, là. De la cisouille. Donc, voilà, je vais mettre un petit peu de colle chaude après ça. Moi et ma patience d'ange. Pourtant, là, j'ai pas des petits doigts minutieux, moi. Donc, voilà. Hey, j'aime ça, pour vrai. Alors, crème bien que des fois. Ici, ça ferait beau. Une petite fleur blanche. Pour aller camoufler le tout. Et celle-ci, je vais venir la mettre comme ça. Puis, j'aurais terminé, je crois. Ouais, c'est assez. Donc, des deux côtés, je la trouve vraiment jolie. Puis, on vient rejouer des deux bords. Peut-être que je pourrais y mettre un petit.
Ça ferait moins chou. J'ai pas besoin de mettre des die-cuts finalement parce qu'il y a assez de fleurs. Ça fait plus naturel les fleurs que j'ai mis que. Des die-cuts. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, si je m'arrête pas, là, je vais. Bon, voilà. Fait que. Voici, si on la regarde de ce côté-ci, là, je peux vous la mettre de même. Tournez votre tête. Et voilà. Fait que mon verre LED rouillé, il est pas si pire, hein, Marjolaine? En tout cas, moi, j'aime bien ce que ça l'a donné. Puis, tu sais, ça vous donne une idée que l'effet rouille, j'aurais pu le faire turquoise avec des fleurs roses, blanches. Ça aurait été super beau aussi. Fait que, tu sais, on peut, avec les rouilles, faire ce qu'on veut. Puis c'était pas long à assembler, hein? Fait que moi, j'aime bien ça. Hein, un gros merci, gang, de m'avoir vu. Puis, tu sais, là, c'est signe qu'on peut toujours improviser. Parce que je savais pas, hein, au début, ce que j'allais faire. Fait que n'importe qui est capable. Moi, je l'ai tout le temps dit. Je fais du bricot niaiseux. J'y vais avec bonheur et je me laisse aller, c'est ça qu'il faut dans le fond pour faire de l'art. Fait que finalement dans la vie, il faut se faire confiance puis même si on a mal au cœur au début, on est capable de virer ça en beauté. Fait que merci de m'avoir écouté. Salut ma tante Dan, j'espère mon chum t'a appelé. C'est ça, le prochain live sera sûrement mardi à date si j'ai pas de massage. C'est sûr que là, massothérapie repris moins de temps un peu, mais je vous avais dit ça avec la job, puis j'ai réussi à être là quand même avec vous. Ça m'a fait plaisir de passer un temps avec vous. Merci, j'étais fatiguée, puis à cause de vous, ben je suis moins fatiguée, plus heureuse, puis ça m'a fait vraiment du bien. Fait que c'est ça. Je vais vous écrire, puis il reste peut-être 8 ou 7 cases, hein, à 2$ si vous voulez, pour le prochain, pour faire tirer le live. Et je vous rappelle que si vous voulez faire, si vous voulez avoir des trucs Fabrica, écrivez-moi. Si vous voulez des liens, écrivez-moi, parce que j'oublie durant le live. Puis, si vous avez des questions, là, je suis vraiment disponible pour vous. Je m'en vais faire du montage vidéo, puis je suis capable de vous écrire en même temps. Fait que, merci! Passez une belle soirée, puis si c'est jeudi pour vous, bon verre de vin pour le reste. Bye bye!